Salut, bienvenue à la 21e partie. Les hommes modernes ont remplacé les anciennes populations, commencent à pratiquer l'art et désormais les événements s'accélèrent. Puisque chaque région évolue à des rythmes différents, nous allons effectuer un tour du monde, continent par continent, lorsque le climat de la dernière ère glaciaire se met enfin à se réchauffer. Alors commençons par le Proche-Orient. À partir de maintenant, de par sa position de carrefour entre trois continents, la fertilité de ses terres et, surtout, par le dynamisme de ses populations, les populations du Proche-Orient détiendront longtemps la palme d'avant-gardiste. Lorsque le climat commence à se réchauffer, le Proche-Orient était composé de steppes boisées en densité décroissante, de la mer jusqu'au désert. Comme tous les chasseurs-cueilleurs d'expérience, ces hommes connaissent les troupeaux sur leur territoire et connaissent bien leurs plantes. Les premières expériences de graines replantées par l'homme remontent sans doute à cette époque, c'est-à-dire que les hommes auraient peut-être transporté des petits sacs de graines sur de très vastes distances. Replanter les graines serait facile sur les terres fertiles du Proche-Orient. Et il est à peu près impossible d'identifier une plante replantée ailleurs. Mais s'ils ont compris le lien entre la graine et la plante, le geste, lui, n'est pas systématiquement répété avec les plantes replantées. Bref, aucune plante n'est encore domestiquée à cette époque. De toute façon, les nomades ont peu de raisons de gaspiller leurs graines en les jetant par terre. N'oublions pas qu'en voyageant, ils trouvent du blé, de l'orge, du seigle, des pois, des lentilles, du lin, des fruits, des noix, etc., 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 et ils n'ont pas besoin de les planter. Il suffit de connaître l'endroit et le moment de la récolte. Ils chassent tous les petits animaux, dont les oiseaux et les reptiles. Ils pêchent des poissons, des crabes, des moules et récoltent des algues. Selon les opportunités, ils chassent du gibier un peu plus gros, donc les porcs, les moutons, les chèvres, mais aussi le bétail sauvage, les gazelles et les ânes. À certaines périodes de l'année, les groupes des régions désertiques convergent par centaines vers les oasis, comme par exemple à Azrak, qui attire les animaux de la région. Mais pour le moment, ces endroits n'ont pas suffisamment de ressources pour que les hommes y restent à l'année longue. Pendant leur séjour saisonnier, ils devaient se raconter des histoires, faire le point sur les déplacements des troupeaux, s'échanger des cadeaux, des pots, des coquillages, et ainsi de suite. Et parfois même changer de tribu pour se marier. La culture du Proche-Orient à cette époque est appelée Kebarane. Notons ici que la culture Kebarane est nommée d'après le site Kebara, où leurs traces ont été découvertes en premier, et que les coquillages prisés de la culture Kebarane sont les dentales, en forme de cône. Jusqu'au tour de 14 500 ans, le désert à l'ouest devient progressivement une plaine herbeuse contenant du blé, de l'orge et du seigle, avec des arbustes ici et là. Et peu à peu, les arbres se répandent dans la région, donc les chênes, les pistachiers, les poiriers. Regardons maintenant l'Afrique. Le continent africain est particulier. Toute la portion subsaharienne nous a laissé peu de fossiles ou de traces durables d'activité humaine. Mais c'est ici que nous retrouvons la plus grande diversité de langues et de cultures. L'Afrique du Nord et la vallée du Nil retiendront notre attention aux époques suivantes, en raison de leur dynamisme et bien sûr de la civilisation égyptienne. Pour le moment, les populations du maximum glaciaire partagent essentiellement le même mode de vie que les peuples du Proche-Orient. Ils chassent des mouflons, des gazelles, des bœufs, etc. À cette époque, le delta du Nil n'était qu'un réseau de ruisseaux. Car le débit de la rivière n'atteignait que 10 à 20 de son débit actuel. Une des deux sources principales du Nil, le Nil Blanc, était bloquée au Soudan par une digue de sable. Et seul le Nil Bleu apportait des sédiments des hautes plaines d'Afrique de l'Est. À cette époque, donc, le climat de la Terre était plus sec et la saison des pluies était moins longue. De chaque côté du Nil, les déserts sont presque totalement dépourvus de vie. Et l'étroite vallée très fertile du Nil, malgré l'omniprésence des crocodiles, permit aux hommes d'occuper la région, de cette époque lointaine, jusqu'à nos jours. Installés au sommet des buttes et des collines, ils sont exposés au vent et au sable, mais ils sont à l'abri des crues qui inondent la vallée. Ils chassent toutes sortes d'animaux de la région, comme les bubalerous et les gazelles. En passant, les gazelles, comme les autres ruminants adaptés à la végétation aride, obtiennent une partie de leur eau à même la nourriture qu'elles mangent et elles ont moins souvent besoin de s'abreuver aux rivières, ce qui en fait des proies difficiles à chasser. Les hommes de la région pêchent aussi des poissons-chats et préparent même des sortes de petits pains faits avec des racines de cyperus rotundus, qu'on appelle aussi les purple nutgrass. Donc les racines sont broyées en farine, puis lavées plusieurs fois pour en éliminer les toxines. En Afrique de l'Est, lieu d'origine de l'humanité, les conditions sont maintenant plus difficiles et la plupart des espèces adaptées à cet environnement se sont éteintes lorsque le climat devient chaud et humide vers 12 500 ans. Munis des pieux à pointes d'obsidienne noire qui ressemblent à celles retrouvées à Lucania Hill, près du Kilimanjaro, les populations chassent des oryx, des sortes d'antilopes adaptées au désert, des zèbres et des buffles géants. La forêt du Congo, au sud du Sahara, a largement survécu au climat aride de la dernière glaciation. Reprenant même peu à peu le territoire des savanes à l'est et à l'ouest lorsque les pluies reviennent enfin. Ce sont les interventions humaines qui brûlent les buissons et les jeunes arbres pour favoriser les jeunes pousses herbeuses, en plus de la baisse des précipitations vers 5000 ans avant notre ère, qui ont tenu la forêt en échec, en particulier vers 2000 ans avant notre ère, lorsque les peuples de pasteurs s'installent dans la région. À part les neiges éternelles au sommet des montagnes, l'Afrique ne contient pas de glaciers. Mais la zone équatoriale comporte quand même son lot de risques. C'est le territoire des mouches tsetse, mais aussi c'est le lieu d'origine de plusieurs souches effroyables de maladies infectieuses. En général, nous ne pouvons que spéculer sur l'usage de matières périssables. Alors, on parle ici de bols, d'assiettes, d'ustensiles en bois, de sacs, de tapis et de couvertures en peau animale, de paniers et de cordes en fibres végétales, et ainsi de suite. Dans le cas de l'Afrique subsaharienne, les objets qui ont survécu jusqu'à nos jours sont exceptionnellement rares. Devrait-on conclure que ces peuples y étaient moins dynamiques Il y a très peu de bonnes roches dans la région, et il est possible aussi qu'ils aient aménagé des sites à même la nature, comme des sortes de forêts sacrées qui, sans entretien, retournent rapidement à l'état sauvage. Conséquemment, les traces d'occupation humaine dans cette région semblent perdues à jamais. Dans la région de la caverne Matoupi, près de la forêt du Congo, ils mangent des porcs épiques, des porcs sauvages, des phacochères, des antilopes, des autruches, etc., etc., etc. On trouve aussi la Sansevieria, une merveilleuse plante antiseptique dont les fibres peuvent servir à faire des bandages. Quelle plante médicinale utilisaient ces peuples anciens? En fait, nous n'en savons rien. Mais cette plante magique, passe difficilement inaperçu lorsqu'on dépend de telles propriétés pour survivre. Passons maintenant au continent européen. Pendant le maximum glaciaire, l'Europe est encore un désert arctique presque totalement couvert de glace. À partir de 18 000 ans, la température s'adoucit un peu, mais les petits groupes d'hommes ne s'éloignent pas encore vraiment du sud. Le climat plus chaud et la fonte du glacier, ce dernier occupant une bonne partie du territoire, entraîne un changement majeur de la flore et de la faune. Vers 15 000 ans, nous retrouvons des herbes et des buissons en Europe centrale, avec des rennes et des buffles adaptés au froid. Puis, vers 14 500 ans, s'ajoutent des sards rouges, des porcs sauvages et des chevaux, pendant que les arbres deviennent plus nombreux. La faune adaptée au froid, elle, progresse alors plus au nord. Vers 14 000 ans, les glaciers n'occupent déjà plus que le nord de l'Allemagne, les pays scandinaves et l'Angleterre. À partir de 13 000 ans, de nouveaux animaux habitués à un climat plus chaud arrivent en Europe. Des ours, des lions, des oies, des cygnes, pour ne nommer que ceux-là. Et c'est alors que les populations humaines commencent à repeupler progressivement le Nord en suivant les troupeaux de rennes, de chevaux, de bisons, de mammouths et de rhinocéros poilus. Il faut un minimum de 500 individus. Qui ne peuvent s'aventurer trop loin s'ils veulent rester en contact avec les populations du Sud, donc il faut plusieurs générations avant de pouvoir coloniser le Nord européen. Alors, ici, le chiffre de 500 individus est symbolique, mais il assure que les natalités excèdent les mortalités et assure aussi qu'il n'y ait pas trop de consanguinité. Donc, avant 12 500 ans, les conditions rudes au Nord empêchent les hommes de repeupler le territoire en masse. Et l'on peut encore affirmer que l'Europe demeure essentiellement. Inhabité. Après 12 500 ans, pendant environ un demi-millénaire, les peuplades vont occuper des régions de plus en plus au nord, à un rythme moyen d'environ 1 km par année. Vers 12 700 ans, les chasseurs, le long du Rhin, se regroupent l'hiver et l'automne pour pratiquer des chasses de grande envergure, pendant que l'Angleterre reçoit ses premiers habitants depuis le dernier maximum glaciaire. L'île était alors reliée au continent par un territoire appelé Doggerland. Où sont présentement la mer du Nord et la Manche? Dans le bassin parisien, les chasseurs utilisent des trappes naturelles pour attraper leurs proies, donc les rennes, les chevaux, les ibex, les chamois et les cerfs. Les températures hivernales baissent encore sous la barre des moins 20 degrés Celsius et il arrive parfois que les groupes se fassent prendre par surprise par le froid. À titre d'exemple, en Angleterre, dans la caverne de Gough Cave, quatre adultes et un adolescent ont été démembrés. Les traces d'outils sur leurs os démontrent qu'ils ont été mangés par d'autres hommes. Ont-ils été tués Sont-ils morts de faim ou de froid Nous n'en savons rien, mais ils ont servi de repas à des semblables. Les informations sur la nourriture sont une question de survie pour tout le monde, et les populations s'échangent les dernières nouvelles sur les déplacements de troupeaux, les plantes, la température, et s'apprennent des nouvelles techniques. Comme ils voyagent beaucoup et qu'ils s'échangent des objets, nous avons une idée partielle de leurs échanges et de leurs voyages par des coquillages retrouvés à plusieurs centaines de kilomètres de leur source. Pendant longtemps, les peuples d'Europe seront de véritables pionniers, voyageant vers le nord pendant l'été et se retirant vers le sud pendant l'hiver. Le climat et l'environnement changeaient beaucoup d'une génération à l'autre, et ces nouvelles connaissances du terrain étaient vitales. On peut se demander pourquoi ces hommes essayaient-ils d'aller vers le nord, avec des conditions meilleures au sud Pourquoi s'entêter à vivre dans un climat plus aride Il y a certainement plusieurs réponses à cette question. Les populations grossissent et doivent chasser toujours plus loin. Peut-être aussi que certaines ressources étaient plus prisées, comme les peaux de certains animaux. Peut-être aussi que l'homme est simplement curieux. Peut-être que notre mode de vie était si profondément ancré qu'il ne se rendait même pas compte d'une génération à l'autre de repeupler un continent. Le demi-millénaire de pionniers, entre 13 500 et 13 000 ans, ne dure en fait qu'une vingtaine de générations. À cette époque, il ne semble pas encore y avoir de cimetière. Les morts sont enterrés individuellement. Passons maintenant à l'Asie mentionnons encore une fois que la majeure partie de ce gigantesque continent manque d'informations. En Inde, les traces de demeures et de tombes sont quasi inexistantes. Il y a très peu d'ossements et les dates réelles d'occupation sont généralement inconnues. Pour le moment, disons que peu de choses semblent changer en Inde. C'est-à-dire à part l'inondation des plaines de l'Ouest lorsque les niveaux de la mer augmentent. Le climat sec ayant réduit la taille des forêts l'érosion causait certainement plus de dommages qu'aujourd'hui. Au nord, on retrouve les montagnes Himalaya, les plaines alluviales de l'Indus et du Gange, et le désert du Tar. Au sud, de vastes forêts communiquaient peut-être avec le Sri Lanka. Ils utilisent des microlithes, comme ailleurs, et certaines traces de microlithes du Sri Lanka dateraient même d'avant le maximum glaciaire. Après 9600 ans, la mousson, le vent violent qui apporte les pluies torrentielles saisonnières, la mousson devient si forte que le nombre de traces retrouvées à l'intérieur des abris augmente en flèche. Dans les steppes de Russie, on retrouve des forêts de chênes, de saules, de bouleaux et toutes sortes d'animaux des steppes des ours, des renards, des porcs sauvages, des élans, des lynx et des oies sauvages. Plus au nord, les arbres sont adaptés au froid. Et encore plus au nord, il ne reste que des vastes plaines herbeuses où vivent les mammouths les sites de Duktai Cave, de Studdenhoe et de Berelec, dont les dates d'occupation sporadiques tournent autour du maximum glaciaire jusqu'à environ 12 000 ans. Ces sites contiennent des ossements de petits gibiers typiques des steppes et de la toundra, comme les lemmings, les renards et les lièvres, et quelques gros mammifères, comme des rennes, des chevaux et des bisons. Pour certains spécialistes, les pointes des pieux vers les dernières occupations, donc vers 12 000 ans, ressemblent aux pointes clovis d'Alaska qui daterait de 11 000 ans. Alors que pour d'autres spécialistes, il ne s'agirait que de deux évolutions parallèles d'une même souche technique. Les sites dans la toundra du maximum glaciaire sont parfois à quelques kilomètres des glaciers, où les habitations utilisent des défenses et des ossements de mammouths. Est-ce possible que les mammouths aient été chassés par l'homme? C'est peu probable qu'ils les ait chassés sérieusement, car les risques sont très élevés. D'autant plus qu'il y a abondance de plus petits animaux, plus faciles à attraper, comme les reines, les poissons et ainsi de suite. Donc, il semble plutôt que ces géants des plaines s'embourbaient dans les marais. Nous connaissons d'ailleurs plusieurs de ces cimetières de mammouth, dont certains fossiles ont des morceaux manquants. En Ukraine, tout près du glacier, cinq familles se sont bâties, cinq igloos de branches et d'os de mammouth, ainsi qu'un sixième habitat, sans occupant régulier, mis à part un crâne de mammouth peint avec des rayures rouges en plein centre de la pièce. Cette demeure contenait des instruments de musique c'est-à-dire une flûte en os et des bâtons de tambour. Et elle aurait pu servir de salle de réception ou de maison commune pour les longues soirées d'hiver. Ici, à cette latitude, le soleil se couche très tôt l'hiver. Les temps sont durs, mais rien n'oblige à être triste. Les Jamons du Japon sont possiblement une des cultures les plus dynamiques, mais aussi une des plus mystérieuses de cette époque. Nous leur attribuons maintenant l'invention des premières poteries. En passant, nous avons longtemps cru que la poterie fut inventée au Proche-Orient, peu après l'ère glaciaire, mais les poteries de Hodai Yamamoto dateraient d'environ 14 500 ans et celles de Fukui Rock Shelter Cave les précèdent de plusieurs millénaires. Le nom Jomon fait allusion aux marques de cordes végétales qui forment des motifs géométriques méticuleux sur les poteries. Alors, en plus des poteries, les Jomon auraient eu des techniques de polissage des outils de pierre que les autres cultures ne feront qu'au Néolithique. Donc après l'ère glaciaire, ces nomades fabriquaient des poteries aux formes excentriques, sans four et, comme certaines formes ne tiennent pas debout, nous croyons qu'elles auraient été fabriquées uniquement pour leur apparence ou pour n'être utilisées qu'une seule fois. Il est possible que cet art complexe, où l'on doit sélectionner une bonne argile, la mêler de la roche concassée ou du sable pour ne pas qu'elle éclate à la cuisson, faire un feu intense, etc. Donc cet art complexe se serait développé peu à peu. Dans le but d'impressionner les visiteurs ou les groupes voisins. Quelques millénaires plus tard, les jambons créeront de grandes accumulations de poteries cassées, et il est possible qu'à ces époques plus récentes, les poteries étaient fracassées devant les visites pour démontrer leur richesse à cause de l'effort investi à les fabriquer. Dans le cas des périodes plus anciennes, que nous connaissons en fait très mal, les motivations initiales menant à une telle invention nous échappent totalement. Notons que les archéologues ont longtemps affirmé que la poterie fut inventée pour répondre aux besoins de l'agriculture. Or, contrairement aux futurs peuples du Proche-Orient, les jaumons de l'ère glaciaire ne pratiquaient pas d'agriculture. À l'extrême sud-est du continent asiatique, nous retrouvons des archipels de petites îles de forêt dense, où les rares sites connus pour cette époque ont des dates incertaines. Les sites près des côtes sont aujourd'hui submergés et les cavernes situées à l'intérieur des îles ne servent que très rarement de halte, comme par exemple vers 20 000 ans à Gouassiret ou à Lang-Rongrienne vers 17 000 ans. De plus, les artefacts de la culture roabinienne sont si simples que nous croyons qu'ils utilisaient des plantes robustes, telles le bambou, comme outil. Bref, nous en connaissons très peu sur eux. En fait, Contrairement à presque tous les autres peuples d'après le maximum glaciaire, les populations du sud-est asiatique semblent remarquablement constantes à travers les millénaires, donc avec très peu de nouveautés. Le nombre de sites archéologiques n'augmentera pas avant la fin de l'ère glaciaire. Au bout de la pointe sud-est de l'Asie, nous retrouvons aussi les derniers représentants de Homo florsiensis, l'homme de flore, dont la taille physique a diminué depuis que leurs ancêtres Homo ergaster sont arrivés en Asie deux millions d'années plus tôt. Les derniers Homo floresiensis s'éteignent vers 18 000 ans, possiblement lorsque les Homo sapiens s'installent dans la région. Comme en Océanie, le sud-est asiatique se développera beaucoup plus lentement que le reste du monde, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas évolué depuis ce temps. Regardons maintenant l'Océanie. Avec le réchauffement d'après 20 000 ans, la pluie revient et quelques lacs réapparaissent. Pour le moment donc, les conditions dans le désert australien s'améliorent un peu mais les traces connues sont très sporadiques, et avant 14 000 ans, les occupations restent de courte durée. Lorsque le climat redevient soudainement plus sec, vers 7 000 ans, le désert reprend de l'expansion, et bien sûr, les abris du vent et du soleil deviendront des endroits prisés. Autour de 30 000 ans, la Tasmanie était reliée au continent par une vaste plaine lorsqu'arrivent les premiers hommes. Il est surprenant de voir à quelle vitesse ces derniers s'adaptent à la vie près du pôle sud. Donc, en devenant plus petits et plus robustes, comme les Néandertals. Autour du maximum glaciaire, les occupants de Kutikina Cave mangeaient des wallabies ceux de Cave Bay Cave mangeaient des wallabies, des bandicoots et des wombats mais lorsque le climat se réchauffe et que le niveau d'eau remonte, les plaines sont remplacées par les forêts. La Tasmanie se retrouve alors coupée du continent et les wallabies disparaissent de la région. Les populations humaines disparaissent du sud-ouest et tentent d'exploiter la nouvelle faune d'opossums, de pas de melon, de chats marsupiaux à la queue tachetée et de souris à longue queue, qui sont tous des marsupiaux. Alors en passant, les kangourous, les wallabies et les pas de se ressemblent, mais des trois, les pas de sont les plus petits. Puis, entre 10 000 ans et 6 000 ans avant notre ère, les traces d'occupation diminuent. Aujourd'hui, ces îles sont inhabitées à 100 km de la côte australienne. Cow Swamp est le seul endroit connu en Australie où l'on a mangé du diprotodon et du geniornis. Les populations appuient aussi le pouce sur le visage de leurs enfants, leur donnant une forme large, des yeux prononcés et un front fuyant. C'est-à-dire en plus d'une sorte de déviance génétique régionale causée par leur isolement. C'est-à-dire qu'ils ont des larges mâchoires et des grosses dents. Pourquoi se distinguer ainsi des autres Peut-être que la région Particulièrement riches en poissons, était une sorte de terre d'abondance et qu'ils auraient pris possession de leur territoire. À force d'enterrer leurs ancêtres sur ce même territoire, ils ont créé des cimetières. Dans la région de Murray River, les ossements enfouis dans ces cimetières anciens seraient véritablement ceux des ancêtres directs de la population locale actuelle, à l'exception des immigrants, bien sûr. Le nord du territoire australien contient des escarpements des savanes boisées et des gorges profondes. On y trouve aussi des Dynamic Figures, ou figures dynamiques, que les aborigènes actuels attribuent au peuple Mimi. Ces dessins sont typiquement sur les plafonds, mesurent quelques centimètres et montrent des personnages aux jambes très étendues horizontalement, comme s'ils couraient très très vite. Il y a même des lignes près des pieds pour montrer le mouvement. Parfois, les lignes sont près de la bouche. Sont-ils essoufflés En train de crier Certains chassent des oiseaux. D'autres sont debout, s'accouplent ou se battent. Ce ne sont pas les premières peintures de la région. Elles pourraient dater d'environ 10 000 ans, soit un chiffre rond et relativement conservateur. Et nous croyons cela parce qu'il y a des représentations de palorchestes, c'est-à-dire des wombats géants pratiquement de la taille d'un cheval. Bon, nous ne sommes pas trop sûrs. Il pourrait s'agir de combats ou de scènes mythologiques, mais certaines scènes, qui dateraient d'environ 6 500 ans, montrent des chefs aux tenues élaborées qui mènent des armées au combat. Aux époques récentes, les dessins deviennent plus simples et sont presque des bonhommes allumettes. La mythologie des aborigènes australiens réside dans un monde des rêves, et ce que nous croyons être de simples dessins d'animaux, de personnes et de symboles représentait en fait des créatures ancestrales lors d'événements complexes. Le mythe originel du serpent arc-en-ciel ou rainbow serpent, créature mythologique au corps de serpent avec une tête de kangourou ou parfois de crocodile raconte qu'il a créé les collines et les rivières en sillonnant la région, semant les plantes, les animaux et les hommes à son passage, c'est-à-dire dans des zones désignées à chaque clan. Ce mythe est partagé par tous les aborigènes, et les plus anciennes représentations connues au nord-ouest de l'Australie pourraient dater de la fin de l'ère glaciaire. Jusqu'à notre époque, de génération en génération, depuis plus de 15 000 ans, ils ont transmis des informations sur le niveau de la mer qui monte et sur une mégafaune disparue depuis très longtemps. Et cela par simple tradition orale. En Nouvelle-Guinée, les premiers peuplements remontent probablement au tout début, soit vers 60 000 ans, mais ces populations devaient vivre près des côtes. Aujourd'hui, bien entendu, ces sites ont tous été inondés. Les traces en altitude sont sporadiques, car les forêts étaient plus basses. Mais nous retrouvons tout de même des traces dès 27 000 ans. Il faut attendre la fin de l'ère glaciaire, donc vers 9600 ans, pour qu'arrivent les arbres et les traces régulières d'occupation humaine en altitude. Vers 6000 ans, la bande herbeuse de 100 km qui reliait le sud, donc la Tanzanie, et le territoire au nord reliant la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande, donc 300 km de large, se font inonder. Puisque les sites sont peu nombreux, leur date incertaine, et que l'ensemble du continent évolue moins vite pendant plusieurs millénaires, nous allons maintenant quitter l'océanie pour rejoindre des territoires mieux connus et plus dynamiques et ne revenir en Australie qu'à l'occasion. Passons enfin à l'Amérique. À quel moment les hommes arrivent-ils en Amérique Le passage évident entre l'Asie et l'Amérique se fait par le nord où de gros glaciers empêchent les populations de pénétrer à l'intérieur des terres. Forcés à rester sur les côtes, les sites d'occupation des premiers occupants ont depuis été submergés par la remontée du niveau de la mer. Les premières traces sont des pointes d'épieux des typiques et faciles à reconnaître. Ce sont les pointes Clovis, qui datent d'après 11 500 ans. Certains mammifères communs à l'Europe, comme l'ancêtre du cheval, sont arrivés en Amérique il y a 50 millions d'années. Après quoi, la faune américaine eut des contacts avec l'Asie. Autour de 2 millions d'années, lorsque l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud entrent finalement en collision, les faunes des deux continents, les placentaires au nord et les marsupiaux du sud, entrent finalement en contact. La faune américaine de l'époque est très variée. Il y a des paresseux de la taille d'un gros ours, dont les plus gros mesurent jusqu'à 6 mètres de long. Les chats sauvages de la taille d'un lion, avec des longues canines de 20 cm, on les appelle les smilodons. Il y a aussi des chameaux. Des gros tapirs, des glyptodons, des castors de la taille d'un ours noir, des oiseaux carnivores de la taille d'un condor, des loups, des pumas et des lynx, pour ne nommer que ceux-là. Les mammouths, eux, sont arrivés d'Asie il y a environ 1,5 million d'années, tandis que le modèle poilu des arts glaciaires arriverait plutôt vers 100 000 ans. Ces mammouths, qui n'avaient jamais vu d'homme, s'éteignent moins de 5 millénaires après l'arrivée de ces derniers. Jusqu'à la toute fin de la glaciaire, les traces d'occupation entre la Sibérie et le Yukon sont quasi inexistantes. Elles augmentent enfin lorsqu'un corridor herbeux, aboutissant en Alaska, se forme autour de 12 500 ans. Ces hommes chassaient des mammouths, des bisons, des chevaux, des chèvres, des caribous, des ours et beaucoup d'autres petits animaux comme des oiseaux et des poissons. Les traces en Sibérie semblent commencer vers 15 000 ans, puis vers 11 000 ans en Alaska et au Yukon. À Meadowcroft Rock Shelter en Pennsylvanie, surprise! Des outils ont été trouvés qui pourraient dater de 16 000 ans, précédant les points de Clovis de 5 millénaires, sauf qu'ils se trouvent du mauvais côté du glacier. Ils n'auraient pas pu traverser avant 16 000 ans. Qui sont-ils? Mystère. Y aurait-il une vague de colonisation, disons autour de 50 000 ans? il semble plus réaliste d'envisager que les sites de Meadowcroft Rock Shelter aurait été contaminé avant son prélèvement. D'autres sites sur la côte est des États-Unis, comme Cactus Hill, qui daterait de 16 000 ou 11 000 ans, le site de Topper, qui daterait de 14 000 ou 13 000 ans, ou encore le site de Galt, qui daterait d'environ 14 000 ans. Donc, ces sites sont tous dans la même situation que Meadowcroft Rock Shelter. Malgré l'absence de preuves, la diversité linguistique des groupes autochtones d'Amérique laisse croire à des souches très anciennes. Les études linguistiques n'excluent pas des vagues de peuplement débutant autour de 50 000 ans. Mais à part les sites mentionnés précédemment, aux dates très incertaines, nous n'avons aucune trace d'occupation confirmant hors de tout doute une colonisation si ancienne. De notre côté, de nombreuses études sur les dents, sur les gènes et sur les langues parlées par les Aborigènes d'Amérique vers un peuplement en trois vagues à partir de 12 000 ans. Les dents évoluent lentement et elles sont de bons indicateurs. Or, bien qu'elles soient encore contestées, certaines études sur la génétique des dents parlent de trois vagues de colonisation. Donc l'une vers 11 500 ans, une vers 10 000 ans, puis une vers 9 500 ans. Depuis le premier contact des populations américaines avec les Européens, soit à partir de Christophe Colomb en 1492 de notre ère. Nous avons identifié plus de 1000 langues autochtones, que nous divisons parfois en trois familles. Dans la première, Eskimo-Aleute, la deuxième, Nadené, et la troisième famille, la famille Amerine. Notons que selon les spécialistes, cette troisième famille est souvent contestée. Certains généticiens nous proposent quatre groupes, d'autres trois. Les chercheurs japonais parlent d'une colonisation par vagues, entre 21 000 et 14 000 ans, les chercheurs américains parlent de vagues entre 29 000 et 20 000 ans, puis d'une troisième vague qui arrive beaucoup plus tard. Et pour couronner le tout, une équipe du Brésil conclut que tous ces gens sont arrivés ensemble en une seule vague avant 25 000 ans. D'autres chercheurs disent plutôt que l'immensité du continent à peupler et l'incroyable diversité des environnements ont poussé les populations à s'adapter rapidement et à développer de nouveaux vocabulaires. Donc, selon les montagnards, les pêcheurs, les chasseurs de plaine ou de jungle. Les peuples d'Amérique ont leurs origines chez les peuples de Sibérie orientale et de Mongolie. Et si la date des premiers arrivants est incertaine, à partir de 11 500 ans, ils laissent de plus en plus de traces. Pour le moment, nous n'avons encore qu'une trentaine de fossiles fragmentaires d'individus qui dateraient d'avant 9000 ans. Sinon, nous n'avons que des objets et des œuvres d'art. Les plus anciennes traces connues d'un peuplement sont à Monteverde vers 12 500 ans, soit un millénaire avant les points de Clovis. Ils y vivaient à longueur d'année. Comme les populations ne peuvent habiter loin des autres et qu'il faut un certain nombre d'individus pour éviter la consanguinité et pour maintenir une population malgré la mortalité infantile, les accidents et les maladies, les premiers pionniers à arriver en Amérique du Sud se sont peut-être retrouvés isolés et se serait alors éteint par la force des choses. Les traces de chasseurs de gros gibier laissées à Folsom dans le centre de l'Amérique du Nord arrivent plus tard, et il faudra plusieurs siècles pour coloniser le territoire et s'adapter au nouvel environnement. En attendant, Monteverde est à l'autre bout du monde. Petite parenthèse ici pour vous dire qu'une personne située à l'extrême pointe sud de l'Afrique pourrait marcher si elle est capable de se nourrir à chaque jour. Donc elle pourrait marcher en remontant le continent africain, traverser l'Asie d'ouest en est, passer vers l'Amérique du Nord et redescendre jusqu'en Amérique du Sud en moins de dix ans. Les premières populations d'Amérique étaient de courageux aventuriers très curieux qui, en quelques générations seulement, sont partis de l'Alaska, près du pôle Nord, et ont progressé vers le long de la côte ouest jusqu'au climat tropical. Éventuellement, certains ont atteint la fonte de marsupiaux du Chili. Il faut ensuite attendre vers 10 000 ans pour trouver d'autres traces, notamment des peintures de scènes de chasse, de sexe et de violence, dans plusieurs petites cavernes de Pedra Furada au Brésil. Notons que les dates des sites de Pedra Furada et de Santa Helena sont encore débattues, et que certains spécialistes avancent 30 000 ans pour Pedra Furada et 27 000 ans pour Santa Helena. Pour le moment, tout ce que nous pouvons conclure est que ce continent est le dernier à être colonisé. Et que l'histoire des premiers arrivants est encore très incomplète. En résumé, nous venons de faire le tour du monde en regardant ce qui se passe sur chaque continent. Partout, les populations humaines sont très dynamiques et s'adaptent merveilleusement aux nouvelles conditions. Au Proche-Orient, où les terres sont particulièrement fertiles, les arbres se répandent. Les nomades de la culture kebarane, qui convergent à certains endroits pour des haltes saisonnières. Prolongent leur séjour à mesure que les conditions le permettent. Ils s'échangeaient des coquillages, les dentales, et se mettent peut-être à replanter des graines, mais leurs gestes ne sont pas systématiques et aucune plante n'est encore domestiquée. En Afrique du Nord, les populations semblent très similaires à celles du Proche-Orient. Sur le reste du continent, les traces d'occupation sont très rares, sans doute à cause de la faible densité des populations qui doivent éviter les maladies et les parasites des tropiques mais aussi parce que les matières durables sont rares et que les matières périssables s'y décomposent très vite. Même si ce continent engendre la plus grande diversité linguistique et génétique de l'espèce humaine, nous n'avons pratiquement aucune information sur eux. En Europe, le réchauffement et la fonte des glaciers entraînent un changement de flore et de faune. Les pionniers du Sud partent alors à la reconquête du Nord, atteignant progressivement des latitudes de plus en plus près du pôle Nord. Les sites européens, à cette époque, sont souvent de vastes carnages de troupeaux chassés à l'épieu, et nous pouvons facilement envisager que ces peuples suivaient simplement les migrations de troupeaux, toujours un peu plus au nord. En Asie, comme toujours, les dates sont incertaines et la plupart du territoire est mal connu. L'Inde, avec ses microlithes très anciens, semble être à l'avant-garde, comme le Proche-Orient, mais concrètement, nous en savons très peu sur eux. Dans les steppes de Russie, on retrouve des sites de chasseurs jusqu'aux frontières des glaciers, et nous pouvons croire que ces groupes téméraires font déjà quelques premières percées vers le continent américain. Dans le sud asiatique, nos derniers cousins, les Homo florziensis, s'éteignent à l'arrivée des premiers Homo sapiens. Et bien sûr, les Jomons, peuple qui devance le néolithique de plusieurs millénaires avec leur poterie et leur technique de polissage de roches. En Océanie, le continent est aride, malgré les conditions qui s'améliorent. Rapidement, près du pôle sud, les homo sapiens s'adaptent au climat plus froid et commencent à ressembler au Néandertal, pendant que les habitants de Karl Swamp, sorte de paradis terrestre pour le continent, prennent possession d'un territoire. Grâce à un mythe originel partagé de tous, celui du serpent arc-en-ciel, la cohésion des peuples est assurée et leur permettra, par simple tradition orale, de perdurer, jusqu'à nos jours. En Amérique, le glacier force les premiers pionniers à coloniser le continent par la côte ouest. Quand arrive-t-il La question est encore chaudement débattue. Et que dire des sites sporadiques plus anciens Contaminés Qu'est-il arrivé aux habitants de Monteverde Se sont-ils tous éteints Les études linguistiques et génétiques disent que les vagues de colonisation sont très anciennes, mais elles ne peuvent s'accorder sur des dates. Chose certaine, le passage par l'Alaska s'ouvre vers 12 500 ans. Et un millénaire plus tard, nous retrouvons de plus en plus de traces à l'intérieur du continent. Et n'oublions pas que tout au long de la période où fondent les glaciers, le niveau de la mer remonte partout et qu'aujourd'hui, la plupart des sites d'occupation humaine de cette époque sont submergés.